Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va arrêter parce qu'il y a trop de monde dans le rond-point. On se retrouve pour une petite vidéo, vous avez passé une petite journée avec nous. On espère que cela vous plaira, surtout que James a l'air en forme aujourd'hui. Ouais, je suis en santé, ouais. Ouais, je suis en pleine santé là. Ok, d'accord. Le temps me paraît un petit peu pluvieux. Effectivement, mais ça va, il va arrêter de pleuvoir, je pense. Tu penses? Oui, je pense, on va bien. T'es sûr ou tu penses? On va bien voir, j'espère. Ok, let's go! J'espère parce que là... Parce que quoi? Yeah. Parce que quoi? Je t'arrose, on a à foutre, moi. Bah, fais-tu attention à ta gueule. Fais attention, parce que là, regarde. Voilà, c'est trop dangereux, là. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. On a sorti le camion. Ça serait bien, parce que là, là c'est à chaque fois que tu gazes un peu. Oh là là. Donc voilà, on vous laisse sur notre petite journée. Fort sympathique. Fort sympathique. Aujourd'hui, les amis, triste nouvelle, mon cœur se déchire. La caméra car nous quitte, elle s'en va. Elle prend le large. Paix à son âme. Sniff, sniff. T'as sorti quoi comme voiture aujourd'hui? 330 DO30. Ah, pas mal. Elle est d'origine ou pas? L'auto, il a un dom pipe. Il a un dom pipe? Il a un dom pipe. L'auto, il a un dom pipe et un 25-65. Pas mal le Captur. Pas mal le Captur. Le même que toi, ta race. Elle est chaude ou elle est froide là? Elle est froide, elle est froide. On va aller faire un petit tour chez Achille, frérot. On va aller voir le salopard. Vas-y, il y a Gwendal, il y a Steve, il y a Achille. Non. Si, vas-y, on va aller. Oh, viens, on va essayer contre la E30. La Seat grise de Nardo, là. Elle est chargée. Je crois qu'il peut faire le quoi contre ça, là. Ouais, ça prend, c'est mort. Ah ouais, ça arrache. Elle est morte, la Seat. Comment ça se fait que BM, ils ont fait une voiture comme ça? Non, ils l'ont pas fait. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, elle a été fabriquée, celle-ci. Celle-ci, elle a été fabriquée, quoi. Là, sur mon futur intérieur, là, sur les appuis-têtes, je vais mettre James Performance. Ah non, moi, j'ai remarqué casse-nuque. Casse-nuque? Ouais, casse-nuque. Casse-nuque, le coup du lapin. Ouais, j'aurais mis juste une tête de lapin. Une tête de lapin? Ouais. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo TDI, là. Parce que de base, nous, on est des gars des TDI. Hein. TDI, TDS, c'est qu'une lettre qui change. Hein. Ouais. Ah, la pauvre Seat Ibiza devant, si j'accélère un peu, là. Mais tu vas où, là? Guette-le. C'est quoi, c'est la police? T'es un puriste ou pas? Est-ce que t'es un puriste? C'est quoi ça, ton avis? 325 TDS? Non, encore un graal au-dessus. Ah, il a mis un sale point. Ah, il est trop fort. Vas-y, Franck, bisous. Il est trop fort. Là, maintenant, là. Oh, lolo. Ouais, ça prend. Franck, je lui ai dit un graal au-dessus. Il a dit, oh l'enculé, il a mis un 5,30. Oh le gros dégueulasse. En vrai, les gars, faut monter dans cette voiture-là pour comprendre ce qui se passe. En vrai, c'est un truc de fou. T'as vu la première, l'auto, c'est bizarre le comportement parce que elle rupte, elle a pas encore tiré. T'as vu? Mais elle rupte déjà, et après elle tracte, et après elle rupte. Là, ce que t'en voudras pas. C'est trop bizarre comment qu'elle a le comportement qu'elle a. Le panneau de porte, là, tu vois là? Si je pense vraiment là. Non, mais m'arrache pas, t'es d'accord. Lâche! Franck il m'a dit, oh l'enculé, il a mis un 5,30. Oh l'enculé, il a mis un 5,30. Oh l'enculé, c'est l'enculé lui. TDS, il m'a dit la TDS. Ah demain? Non. TDS, c'est des modèles. Non, c'est pas M51D25, garçon. C'est M57-306D1. Je pense que ça peut être très chaud. Qui? Bah la Seat. Non, la Seat, elle est perdue, frère. Non. La Seat, elle est perdue, frère. Toi, au volant de la E30, t'es perdu. Non. Moi, au volant de la E30, il est perdu. Ah, il est demain. Je me connais. L'auto, là, elle se transforme en dégagé quand c'est ma comme volant. Ah ouais, pas mal, hein. Mais ça se voit qu'aujourd'hui t'as pas envie. Tu vois, il y a des jours où t'as envie, des jours t'as pas envie. Tu veux, en fait, là, c'est, tu veux en découdre là. Mais j'ai envie, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie que tout casse. Ah bah non, la E30 elle casse pas par contre. Mais non, mais c'est un casse. Tiens, bah tiens, il y a un moteur comme toi là dans l'auto. Non, c'est un 525 TDS. Tu crois? C'est une 525 TDS. Ouais, c'est possible. T'as peut-être raison, enfoiré. Salopard. La E30, quand elle tire, c'est pas demain, c'est tout de suite. Demain, c'est tout de suite. Putain, je prendrais bien une pelleteuse Narvalo là. Je roulerai sur la route et tout, je ferais n'importe quoi. Si, une pelleteuse à roue là, tu sais. Je trouve. Là, tu as le rond-point là. Tout droit. Et viens, on loue ça un jour. On loue quoi? Bah, un truc comme ça. On va chez qui loue tout, on loue quoi? Une pelleteuse? Ouais. Non, je vais chez Thomas, j'ai dit qu'il me. Ça va être cher. Hein. Je vais chez Thomas, j'ai dit qu'il me prête une pelleteuse. Ça va être trop cher par contre. Là. Attends, là. Parce qu'avec le Tiguan, il veut. Ça t'écrase pas, je sais. Je suis à fond là. Ouais, demain. Ah, là, là, maintenant. Pauvre garçon, l'auto. Oh, putain, ok. Avec son Tiguan, le pauvre garçon. Ouais, ça s'arrête jamais. Hein. C'est trop. En fait, l'ascension de cette cinquième, elle a un petit creux. Et là. Là, Mathéo, tu flouteras parce que là, il y a un petit souci de vitesse kilométrique. T'étais combien? T'étais à 80, c'est ça? Avec son Tiguan, il est à fou. Là, il croit. Hein. T'as vu la vieille mamie, elle se laisse pas faire, garçon.
C'est la gourméo. Eh la gourméo, il se laisse pas faire la gourméo. Il a dû se dire, bah il a du mal à doubler. Ah mon pauvre garçon, j'étais un quart de gaz. T'as vu dès que j'ai écrasé? Il savait plus comment se foutre. Ah là, si c'est la phase 1. La phase 1 du diable. C'est un ATD là-dedans. ATD 100, ATD. Bon, ça consomme que dalle ça, hein, par contre. Le 30 hein? Non, ils auraient dû les faire d'origine celle-là. Comme ça là? Bah t'es malade ou quoi toi? Il y aurait eu combien de morts sur les routes? 330 DE30. T'imagines en vrai à l'époque ils auraient fait ça? Une 330 DE30. Oh là là, ça aurait été magnifique. Ça aurait été tellement magnifique. J'en aurais acheté 10. Mais putain, Gouillon. J'en aurais acheté 105. Ouais, il y en aurait eu des froissés aussi. Ah bah oui. Il y en aurait eu des grands blessés. Puis tout d'origine en stage de hard cut. Aïe. Tu prends quoi dans ton beau capteur? Il y a le camion, mon frère. Ouais, le camion là. Un monstre. Aïe. Il n'a pas son capteur lui. Gauche, droite. Tu sais y aller ou ça va? Mon pauvre garçon. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'as mis au point mort? Sale chien. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est Matteo Wombe. Oh là là. Bah oh, bah qu'est-ce que là? La grand-mère au CNR. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, là? Cette première-là, elle a pas besoin d'ambulateur, je te le dis. Oui. Même pas besoin de Ventoline, si tu veux savoir. Oui, donc t'as reçu un petit coup de fil d'un abonné à toi hier. Ouais. Qui était content? Il était tard. Il était quelle heure? Je sais pas, quelle heure? Il était minuit et demi, une heure. Ouais, mais la dernière fois, pareil, j'étais chez Grangeret, là. Ouais. J'étais en train de commander des pièces pour mon bateau, tu connais. Et puis je reçois un coup de fil sur Messenger, je dis tiens, j'ai le nom, je connais pas, je vais répondre pour voir quand même. Quoi. Je dis allô, il me dit ouais Babas, bah je dis bah ouais frérot c'est moi. Et il me dit oh putain ça fait plaisir que tu réponds. Bah je lui dis ça arrive pas souvent parce que d'habitude je suis, tu vois bien, je regarde quand même qui c'est, mais là j'avais envie de répondre, je suis de bonne humeur, ça arrive. Donc voilà quoi, et puis bah, on a tapé la causette un petit peu quoi. Et puis après il m'a dit bah tu fais quoi? Bah je lui dis je suis dans un magasin de bateau là, je suis en train de prendre des pièces pour mon bateau. Il m'a dit ok. Il m'a dit bah écoute je vais te laisser hein. C'est gentil d'avoir répondu. Je lui dis bah écoute, de rien. Baba, c'est vraiment quelqu'un qui est proche de ses abonnés quand même. C'est vraiment quelqu'un de super. Ah, vieux. Oh là là. Oh ma tante. Oh non. La vie de ma mère, c'est ma tante Narvalo. Vite, on se cache. Attends, non, faut que je me cache un rond-point, Guignol, justement. Ah, c'est que j'ai doublé sur la ligne blanche. Oh putain, elle va me voir. Ça va, t'as vu. Elle va me voir, ouais. Ah, c'est. L'escuve. Ah, t'as vu doubler sur la ligne blanche, je suis mort quand t'as passé devant chez moi, elle m'a fait chier, Narvalo. Quel lèche-cul celui-là. Elle va me dire, ouais, mais ça va pas comment tu roules. Get le strike, Mathéo, get le strike. Dans cette situation, je double, je klaxonne. Je mets le clignotant, je me mets en deuxième et j'écrase fortement pour les enfumer. Ah ouais, là ils ont goûté un peu. Et ça te fait plaisir, parce que je vois que tu rigoles. Ça me fait de l'effet. Non, arrête, après ils vont pas être contents. Heureusement, la E30, elle dégage par là, les gaz. Pour ça, je l'ai fait ici. Avec un télé, j'aurais pas fait là. Pourquoi? Bah, avec ma Golf 4 là. Mais les 5, ils ont le cancer là. La Golf 5, là, t'écrasais à 2200 tours, t'écrasais en 5e ou en 6e là. Derrière, c'était. Tu vois Tchernobyl? Ouais. À côté, c'est du beurre de micelle. Ah, bien. Ah oui, garçon. Tu roules ou t'es. Tu bah, je suis à 70, mon petit James. J'ai bien l'impression que mon auto, c'est un char pour la Gay Pride là, tellement que tu roules comme un gars. C'est toi qui t'en sers pour la Gay Pride. À demain. Ah oui. C'est pas moi qui ai mis des trucs violets sur mon auto partout. Mais je t'en mets. Ah oui. Je t'en merde. Qu'est-ce que tu fais avec ta Mégane? Range toi garçon. Ça serait Mathéo au volant, la voiture elle serait déjà dans le fossé. Oh, faut qu'on fasse une vidéo où que Mathéo il conduit la E30. Ah ouais. Pilote là, comme ça là, j'étais là. Comme ça là. C'est comme ça qu'il faut la prendre une auto comme ça, c'est pas une auto de PD garçon ça. Si je t'apprête, c'est pas pour aller à la Gay Pride. Hein. Non, mais rien, aujourd'hui je sais pas ce qu'il a bas, il a pas envie. Ah non, j'ai pas envie. Pas envie de la. Parce que ça, je la respecte. Ah ouais. C'est une mamie. Ça, une mamie, ça se prend dans le sens du poil. Pour la caresser, faut, tu vois. Ah, Mathéo, tiens, James, il y a un champ tout jaune là. Si tu veux courir tout nu dedans, Mathéo, fais un plan. Quand t'auras fait moins de fautes que moi au code. Ah yeah. Et oui. On reparle de la vidéo du bon coin ou c'est comment? Ah, du bon coin, t'inquiète pas, la version 2 arrive bientôt. Et tu vas pas être déçu du voyage. Tu vas goûter aussi, tout pareil que la première. Bah, va-t'en, mais on va te dépayer sur moi là. Va-t'en. T'as fumé dans mon camion tout à l'heure? Ah, ça sent bon là. Ouais, c'est pour les boutons. Pour les boutons. Ouais, c'est pour quand tu te rases après le coiffeur. Ça sent bon. Ça sent bon? Ouais. C'est pas ton cas, toi. Mais je t'emmerde, toi. Bon, je suis pressé d'arriver chez Achille, là. On est en Angleterre, on roule à gauche. On roule à gauche. Tu veux pas faire ton gage, babas? C'est pas ça, mon gage. Bah si, c'est le top commentaire. On n'a pas encore choisi, non. On abuse pas, frère. Ah bah quoi? Oh là là, c'est ce qu'on avait dit ou pas? Non, c'est un coup, on lui coupe les cheveux en moine, ça repousse plus jamais, t'es bien. Ah oui, après ça repousse pas, je fais comment, garçon? Et puis il y a bagarre. Hein. Ouais. Il y a bagarre avec vous deux et puis tous les abonnés. Les 84 000 abonnés, tu les prends pas la tête. Pim, pam, pim, pam, pim, bam, boum, terminé. Ah, j'espère que t'as pas d'arthrose, garçon, parce que. Ils vont tous me payer un cheveu. Un cheveu par là. Aïe. Ah, yeah. Non, en vrai, j'ai la calvitie ou pas ici? Moi, j'ai pas la calvitie ici. Moi, c'est juste là, moi.
Ah, je fous de ma gueule, toi. T'as pas la calvitie, en vrai. Non, mais en vrai, là, en vrai, c'est comment, là? Bah, en fait, c'est spécial. En fait, quand tu les mouilles et tu mets du gel, c'est pire. Là, ça va. Là, ça va. Là, t'es au max de ta forme. Là, ouais, voilà. Toi, pauvre paysan, je t'emmerde. Tu vas voir tout à l'heure. Voilà. Mathéo, faut filmer, là. Mathéo. Oh, Mathéo Wobé. Il fait quoi, Mathéo Wobé? Bah, il dort. Il piante. Bah, pourquoi il dort, Mathéo? Il était payé pour le faire. Eh, bah, pourquoi tu dors plus en ce moment? T'es fou, je dors? Non! Bah justement, en ce moment, je dors à mort. T'es fou, toi, je me couche tôt là. Parce qu'il y a eu des fois où 10h, bah, il est déjà levé. Bah, non, je suis pas couché. Ah, bah, parce que je me couche tôt. Ah, ouais. Ah, là, c'est bien, là, c'est le temps en fait qui te fait ça. Ouais. Parce que là, le beau temps, il revient. Et puis, moi, quand il fait beau, t'as vu, dès que je vois un brin de soleil, hop, tac, tac, je sors le bateau directement. Ouais, ouais. Ne vous inquiétez pas, la vidéo bateau arrive bientôt. On va aller initier Mathéo avec sa combinaison de ski nautique. Et oui, bah oui. Bah oui. Le bateau va faire la berge, trois tonneaux, le moteur retourné. Le bateau il va retourner dans l'eau, il va recouler. Ah oui, là t'es bien là. On va sortir mon bateau et puis on va aller faire. Il a acheté le bateau, vous savez, dans Call of Duty Black Ops 2, ceux qui ont déjà joué à Call of. Là, qui c'est qui a pas joué à Call of? Hijacked. C'est la map Hijacked, le gros bateau. Il a acheté le même identique. Le même. Allez, il y a deux, trois petits détails près, c'est pas les mêmes couleurs de mousse à l'intérieur sur les banquettes. Et la piscine derrière, c'est pas la même. Ah ouais, ouais. Ah, il y a une piscine sur le bateau. Ouais. Ah, sur son bateau, il y a une piscine. J'étais même pas au courant. Et je ferai mon gage que dans cette piscine-là, tu sais, où je suis en maillot de bain. Ah oui, bah la piscine, elle est grande, hein, putain. Tu crois que si on lui met l'éternel, elle va bien rouler? Bah, 30. Ah, bah, contre, s'il pleut, on peut pas tirer. Si. Bah, non, bah non. Pourquoi? Ah, parce que. Arrête de faire le froussard en volant. Mais je sais pas le froussard, garçon. Plus les années passent, plus le temps passe, plus tu. Ah non, mais si c'est pour que je sois comme ça, je suis enceinte, ça sert à rien. Mais ça patine même pas. Tu savais pas au château la dernière fois là, en 3 j'ai voulu accélérer, qu'est-ce qui s'est passé? Demi-tournade. Le volant, je savais plus comment qu'il fallait que je fasse avec pour que la voiture revienne droite. Il est grave par brise là. J'en connais un autre. Ah, ça accouste, ça. Sale bâtard. Je sais pas si on a déjà parlé du style étoile de la E30. Alors, c'est pas d'origine, hein. Enfin, je pense. Non, bah non. C'est pas d'origine. Il est moins beau qu'il a été. Mais ça fait tellement beau qu'on le laisse comme ça. On dirait l'étoile d'araignée, ça fait trop stylé. Spider-Man. On dirait la voiture à Spider-Man. Effectivement, il a raison. On dirait la voiture à Spider-Man. Clignotant quand tu sors. Voilà. Attends, ici on roule à combien? Là on roule à 50. C'est bien. Parce que c'est quoi qui t'a donné l'indice, c'est bah, ça? Ah oui. Bah, attends. On roule à 50. Donc là, on ne roule plus à 50. Là c'est 70. Pourquoi 70? Non, parce que c'est 70. Parce qu'on est quand même en lieu dit encore. Et là c'est et là au panneau on reprend 50 km/h si tu veux ça. Voilà. Clignotant. Non mais bah, quand même. Oh. Et tu peux t'engager directement. Voilà. Bon là t'es pas obligé de mordre le stop. Ouais, et là ici c'est 200. Ah ouais? Ouais. Donc on peut tirer. C'est 200 ici? Ouais, 200, 250. Ouais, 200, 250, 6 lits 2. C'est 200, 2 c'est compte. Les gars là on va avoir des sacrés numéros là. Là il y en a 3 pour le prix d'un. Il y en a un, c'est le plus moche de la planète. Il est juste volant. Oh Mathéo, 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 si tu veux bien finir ta journée, reste correct par contre, parce que ça peut vite finir que tu finis dans le coffre de la E30. Et je vais pas te mentir que quand je vais partir et je tirerai premier à deuxième, c'est dans le coffre, à mon avis, tu vas pas être bien. Allez-y, on n'est pas pressé. Mais quelle courtoisie, Sébastien, cette journée. Bah oui, Kéo. Avec les gens, on est courtois, on leur fait plaisir, on les laisse passer. La mamie, elle est de 88, ça y est, elle a valeur. Oh, regardez comment c'est beau. C'est quoi qui arrive là? Tu connais ce moteur là? Ah oui. Bah non. Oh là là. C'est quoi ça? C'est un 5,50? 5,45i. 5,45i? Ouais. C'est quoi? C'est une 39 ça? 34. 34. 34. Je crois que c'est une 39. 34. C'est une E9. Ça c'est la voiture à Jacques Mérine, non? C'est une E9, wesh. Ah oui, t'es en Sport Plus, déco pas mal, Achille. Non, tu vois, c'est marqué D. Non, tu viens de le mettre, tu couches tes. Toi, tu me prends pour un idiot, toi. Il est beau ton 5,30D. Ton 5,25D F10 LCI, il est beau. 5,45i. T'as pas une petite Seat là pour tirer contre moi E30 vite fait? Non, j'ai rien là. T'as rien? Non. Viens, on répare la grise vite fait. Laquelle? Bah là, celle-là. Je pensais que tu parlais de quête derrière là-bas. Là. Quête d'hier. C'est le quête d'hier là? Ouais, je pensais que tu parlais de la grise quête d'hier. Quête d'hier? Quête d'hier. Qu'est-ce que tu les couilles? Bon, attends, je garde mon life single impulse. Vas-y, garde-le. Achille, il s'est fait un petit plaisir, les gars. Le capot, qu'on sent la chaleur du V8, s'il te plaît. C'est une M5 F10 LCI RHD, la plus belle voiture qui existe au monde. Individual, enfin, pour moi. Précise. Individual. On reste sans doute en individual, mais ça a été plaisir que je précise, donc je le fais. Il y a deux turbos là. Ouais. Ils sont pas derrière en plus, ils sont devant.
vais mettre un troisième, un 18. Je vais mettre un troisième, un 18, il a dit. Est-ce que t'as déjà fait faire tes turbos tout rouge ou pas le soir quand il fait noir là. Ouais, je rouge, je n'ouvre pas le capot. Écoute, le soir quand il fait noir là, tu sais quand il fait noir. Ouais. Force là, genre tu prends 300, 2-3 fois d'affilée, tu t'arrêtes vite fait sur le bord de la route et tu ouvres le capot et tu ouvres là, les deux coquilles d'échappement là. Ça devient des lumières à LED. Tu vois des lumières à LED, pareil. Est-ce que t'as vu la taille de la pompe à eau ou pas? Non. Non? Tu vois le bloc à lui là? Bah c'est la pompe à eau tout ça, garçon. Alors prix pour qu'elle lâche pas. Si elle lâche, je prends une spatule, c'est moi qui fais circuler l'eau. Tu pédales? Ah bah oui. C'est moi qui fais circuler l'eau. Tu fais quoi Achille là? Des conneries. Pas mal. J'essaye de m'améliorer en mécanique parce que je suis une bite. Ah ouais, t'es une bite? Mécano, non. Ah, il arrache tout, regarde, il est en train de tout arracher. À ne pas reproduire chez vous. Ça fait un peu trop film X là, non? Bon, moi je pense que cette Seat là, vous la reconnaissez les potes? C'est la Seat qui est venue faire le jeu du devine ta caisse. Et là, il est venu faire. Ouais, c'est l'antillais blanc. Il est venu faire un petit tour chez le mécano de la chaîne YouTube. C'est un antillais, il écoute même pas de dance. Non, attention, parce qu'on s'est fait engueuler la dernière fois dans les commentaires. Il a vécu en Martinique, mais il est pas martiniquais. Je me suis trompé, c'est de ma faute. Je me suis trompé, c'est pas de ma faute. Donc c'est peut-être un peu normal qu'il n'ait pas trop foncé. Après, peut-être qu'en bas, il y a les. Les souches quoi, tu vois ce que je veux dire? Les souches. Là ou la souche. Et là tu fais quoi Chi, je comprends pas là. J'enlève ce qui sert à rien. Gain de poids. Non mais ça casse les couilles et tire plus là. Viens après Achille, on va brûler ta M5 là. Si tes pneus ils éclatent, je paye deux pneus neufs. Oh eh, vous foutez ça hein. Et là oh, vous foutez ça hein. Là la touffe mon frère. Dans la touffe, t'es poilu de la raie comme ça. T'es poilu de tout. Putain, c'est l'antillais blanc, enculé, m'a baisé au. m'a baisé pour le devine ta caisse. J'étais dégoûté. Oh, il se l'a fait à la Dominique Toretto. Ouais. Aïe, 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 le même. Il se l'a fait à la Dominique Toretto. De quoi? La combo d'un maman. Il a dit quoi cet enculé? Des conneries de cul encore. Mais tu sais ce que c'est ça, vraiment, réellement dans Fast and Furious? Hein? Celui qui connaît vraiment, celui qui a la ref, c'est quoi ça dans Fast and Furious en vrai? C'est la chaîne de Letty. Oui, mais elle a servi à quoi? Tu les as tous vus ou pas? Ouais. Ouais? Tu sais c'est quoi donc? Ils se sont mariés avec ça, là, il avait pas d'alliance. Oui, c'est ah, il s'en rappelle. Dans le 6, non? C'est dans le 6. Ah, il est chaud par contre. Ils sont mariés avec ça. Ouais. Dominique Toretto, il avait pas d'alliance, du coup il a posé ça ce genre sur leurs mains quand ils sont mariés, genre en gros c'était leur alliance quoi. Bon là il y a un débat les gars, j'ai fait deux cartos, une carto à Achille sur sa Seat jaune et une carto à Gwendal sur sa Seat noire. Et ce qui se passe, c'est que il y en a un qui est en 17-20 et l'autre qui est en 17-56. Je vais leur faire deux gros programmes à tous les deux. Et Achille est persuadé qu'avec son 17-20, il va passer devant le 17-56. Moi je dis que non. Donc vas-y, c'est quoi s'il passe de. Si mon cas passe devant. Eh attends. Eh ben c'est où qui a promené tout ou n'y a super belle foche. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si c'est moi qui passe devant lui là, c'est lui qui se promène boulevard Foch tout nu. Et si c'est moi qui est derrière, c'est moi qui promène boulevard Foch tout nu. C'est révolu. Redonner. Voilà. Même main gauche si tu veux avec. Les deux mains. Pas de soucis. Voilà. Salut Sébastien, comment ça va? Ça gaz? Alors je m'appelle James Performant, je suis cadreur pour la Scorpio TV. Tiens, cadre-moi ça garçon. Oh là là. Tu t'es fait peur. Oh là là, trop quand elle a passé. Là, tu t'as vu comment il a fait le cul? Ouais. Moi je pourrais être cadreur les gars. Alors là James il apprend à filmer, à cadrer. Parce qu'il veut virer Mathéo en fait mais il veut pas le dire. Non Mathéo je peux jamais le virer. Bâtard. Il fait semblant de monter Mathéo, mais en vrai, c'est un. Regardez comment il est beau, notre cadreur. Pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est celui qui est derrière la caméra depuis le début de la chaîne YouTube. Faut vous envoyer tous un bisou à Mathéo Robet. Bon, voilà, vous avez mis un visage sur notre cadreur, les gars. Et les filles, parce qu'il y a aussi des filles. Bon, là, on est parti mettre une branlée à ça. Mais c'est lourd, en vrai, t'as pas mal au bras de le porter, en vrai, Mathéo. C'est tout léger, là, y a rien. Putain, bah, je crois. Bah oui, y a rien à relever. Quand il y a le gros rod par-dessus, qu'il y a le stab et tout, c'est beaucoup plus lourd, frère. Tu m'étonnes, pas besoin d'aller à la salle. Hein. Pas besoin d'aller à la salle. Pourquoi tu filmes le pommeau de vitesse? Elle tire pas, ça se sent. C'est là, regarde celle-là. Regarde celle-là, ça tire pas, garçon. Oh putain, ça se prend. ça prend, les gars. Regarde celle-là, ça tire pas, garçon. Celle-là, c'est un coup de fusil. Regarde dans le viseur, mets ton œil dans le viseur. Comment là, là? Non, mets ton œil dans le viseur, là. Regarde, t'as vu, ça s'éteint. Oh putain, c'est trop bien. Salut les mecs. Ouais, c'est bien, en vrai. Regardez la belle Seat de Steven.
Le mec qui a vécu en Martinique. Castrolique. Asile Mécano. Mécano, non, 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 non. Mécano, non, 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 non. Mécano, non, 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 non. Bon, les potes, là, Achille, il a trouvé la panne sur la Seat Alit 9 TDI 130, enfin 650 de Steven, le gars de la vidéo de 6 abonnés. Et là, on va comparer un peu avec ma E30, qui fait 231 chevaux passés au banc. Et le fichier que j'ai fait sur la Seat Grise Nardo, il annonce environ 245-250 chevaux. Donc là, on va vous faire des beaux plans des deux caisses en même temps. Donc ça fume bien noir, ça rupte et tout, j'adore. Et comme j'ai rarement vu ma E30 d'extérieur, j'ai demandé à Babas de la prendre pour bien la... Tu vois, la... Enfin, on s'est compris, quoi. Putain, je suis déchaîné. Là, je suis chaud, là. Là, je suis très, très chaud et de bonne humeur. Par contre, ils reviennent pas, je crois que la bagnole... Elle a tiré sa révérence, si tu veux savoir. Là, regarde. Oh là là, ça va être beau. C'est la Seat. Elle saute. Regarde, regarde comment c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, ça tire ? Tu sais la prendre, garçon, ou t'as pas de mal ? Ah, de ce temps-là, ça y est, il peut trop, là. Mais non, non, non. Non, non, non. C'est à quoi tirer une croix, viens en champ. Oh putain! Non, arrête! Il a laissé la cramère de l'autre, regarde! Tu fais 15 tours de volant avant de ça braque! C'est un coup, elle part! Oh putain! Oh putain, l'enculé! Je sais même plus où t'es rendu dans le volant! Je sais plus si t'es à Bordeaux, à Toulouse, à Nîmes ou à Pau! À Pau! Dis-moi ma frite! Qu'un goutte! Oh non! Ma frite! Je le casse, ce carreau, moi, je le casse, hein. Oh, t'es normal ou quoi? Arrête, va la couper. Ça se compte pas, ça. Putain, ça mouillasse bien. Oh là là là, ça tracte, hein. Si je sors la M5, là, c'est même pas... Mais tu t'as pas, t'as que de la gueule, toi. On va foutre tes corps à terre. Oh la salope, putain, elle m'a voulu plein la gueule. Bon les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, pendant le tournage, mon cadreur m'a fait chier, du coup. On m'a dit qu'on allait le foutre dans le coffre, et on l'a foutu dans le coffre. Donc voilà les potes, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker cette vidéo si ça vous a plu. Kiss, kiss.